73-51, les stations en fréquence de la part de Dindy 33 du plus haut du pont d'Aquitaine. Et côté circulation, pour le moment, c'est tout cuiron. Bonne journée à tous. Merci à la station. Merci, bonne journée. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 kV 3301 opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 kV 3301 opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, QTH Mérignac. Attention, les stations en fréquence, c'est pour Dindy 33 qui lance appel en mobile depuis Mérignac, sud-ouest France. Attention, les stations en fréquence, c'est pour Dindy 33 qui lance appel en mobile depuis Mérignac, département de la Gironde. Pourtant, tout à l'heure, il y avait du monde en pagaille. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest France, Mérignac. Il y a du monde derrière.
Les 73-51, les stations que j'entends très QRP là de mon côté, de la part de Dandy 33 en mobile sur Mérignac, département de la Gironde. Oui, le nord de France, les 73-51 à vous, de la part de Dandy 33, 14 km, 33-01, en mobile, actuellement sur Mérignac, à côté de Bordeaux. Bon, apparemment, je vous ai perdu, bon, c'est pas grave, on s'est quand même entendu, c'est le principal, à Chitrois-Coups. Ah, il est largement possible de faire du DX en AM aussi. Hein. Tiens, la preuve. Quand la propagande, de toute façon, c'est dans tous les modes. Hein. Ah oui, tiens. Là, ça veut pas. CQDX. Appel de 14 km 3301, opérateur Rémi en mobile sur le sud-ouest de France. CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France et qui vous propose un QSY sur le 27-335. Le 27-435, pardon, qui vous propose un QSY sur le 27-435. C'est parti pour moi. CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le département de la Gironde, QTH Mérignac. CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France et qui vous propose un QSY sur le 27-545. CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France. Les 73, Daniel, tiens, je sors juste du pro. Oui, mon petit, c'est pareil, je suis au pôle, je vais déposer mon badge là. Ok, d'accord. Putain, là, je commence à mettre la voiture en route et tout ça, j'allume le poste, putain, la vache, ça arrive de partout. Allez, vas-y, toi, avance. Voilà, je suis au niveau des ronds-points, là, en direction de la rocade. Là, ça bombardait là, de partout. Là. Et puis là, attends, ça a chuté un petit peu, mais bon, c'est quand même là derrière. Ok, attends, je vais bâcher pour voir, là, et puis je rends mon badge, là. Tu m'attends ? Ok, ça marche, de suite. Bonjour, 14, Maïs Lima, 059.
Oui, 14 Lima, Z059, 73 à vous, de 14 Kilomètres, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le département de la Gironde, sur Mérignac. Ah. Bon, apparemment, ça n'a pas l'air de passer dans ce sens-là. Et c'est un faux que fait. Ah, rien. La française. Oui, oui. Je suis 16 Alpha Tango, 106 qui a parlé à l'écoute pour après-midi. Oui, c'est vrai, mon ami, ma femme, comme il faut. Et zut. Ok, ben entre temps, il y a un QSO qui s'est installé là. Ouais, il y a un QSO étranger, j'ai pas reconnu la langue, là, qui s'est installé là-dessus derrière. Donc c'est comme tu veux, soit on change, le mieux ce serait de changer de fréquence, celle de ton choix. Bon, c'est le 305, il y a moins de demande. 305 ou 325? Allez, 325, reste chez nous. Ok, 325, ça marche. Ok Daniel, 335 si tu m'entends, 335. Ok. Ok, voilà, on est sur la. Ben pour le coup, on est sur le département 30, canal 33, département 33, tout va bien, HI 3 coups. Ouais, t'as, comme tu as dû voir, c'est arrivé plein pot là pour le coup, là sur la fréquence monitor. Je suis trois coups. Alors que moi j'ai passé la journée à l'entrée. Bon, tu vois là où j'étais quoi. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas insisté à t'envoyer des messages, tout ça. Voilà, donc il n'y a que celui que j'ai envoyé là, un message personnel. Là, que, voilà, tu demandes ce que je t'ai écrit là et tu seras au bon système. Puisqu'il faut toujours prendre les clés quand même chez Patriarche. Et tu demandes les clés du bon système et tu seras tranquille là au rez-de-chaussée. Et après derrière, tu peux manger sur place derrière. Là. Ah d'accord, si je comprends bien, on peut plus bouffer dans la voiture, c'est ça? Ah ben non, là, les voitures, tu les mets sur le parking au niveau du H, là, derrière. Tu sais, là, quand tu rentres au pal, entre le H et le K, là. Il y a un parking derrière, là, et les voitures, tu les mets ici. Ah d'accord, ok, donc j'aurai intérêt à trimballer mon sac avec moi, quoi. Putain, mais en plus, il est pas tout petit, mon sac, hein. Bah ouais, donc c'est pour ça, c'est ce que j'ai... J'ai dit, attends, je vais me mettre la voiture à côté, là, justement, sur ce parking-là, et j'ai pris mon sac avec moi, comme ça, j'ai pu manger sur place, comme hier, hein. Mais voilà, au moins, j'avais mon sac avec moi. Voilà, t'as tout sous la main.
est sur place, c'est sur place ou à l'extérieur, là. Tu sais, là, au quai de déchargement, la porte, là, j'ai aménagé des palettes et tout. Et puis, voilà, donc, je me suis fait beaucoup une cuisine comme ça, là, pour pouvoir manger. Ok, d'accord. Bon, ben, en tout cas, d'accord, ok, compris. Si là, toi, tu sais à quelle heure tu vas arriver chez toi, moi, de mon côté, toi, je viens juste d'enjamber la rocade et ben, on est tous à l'arrêt. Déjà là, je ne sais pas ce qui s'est passé sur la rocade, mais c'est complètement bouché. Je suis en train de me demander si je ne ferais pas mieux de passer par l'intérieur. Rattraper les boulevards, je sais pas si ça serait mieux. Ah, bon, hier déjà c'était le bazar là sur Saint-Médard, et puis ça se voit que c'est la reprise en fait, qu'ils ont lâché le, comment te dire, qu'ils ont réouvert tout là, parce que il y a du monde, même moi le matin je m'en aperçois là, il y a du monde, donc oui, il y a peut-être eu encore un accrochage quelque part sur la rocade, là, ça c'est plus que certain. Ouais, allez, décision prise. Je vais voir là pour rattraper Mérignac Centre, les boulevards. Je pense que je gagnerai mon temps en passant par là. Puisque là, non, c'est vraiment le caca là, de tous les côtés. C'est hop là que je viens de voir le panneau en extrémiste, la Mérignac Centre. Voilà, ok. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais attraper Mérignac Centre, et puis direction les boulevards, et puis je vais passer par là. Ah ben écoute, voilà, c'est pareil, là c'est parti, Ouais, ben heureusement qu'il y a Roger Vipkena. Bon, je t'entendais parler, mais j'ai pas du tout eu Roger de ce que tu m'as dit. Je suis en plein dans les QRM de Mérignac. Bon, ben tant pis, c'est pas grave. Je vais être obligé, là, par la force des choses, de passer en QRT, parce que là, pour le coup, je comprends plus rien du tout, là, de mon côté. À Mérignac, c'est bien un endroit, il faut surtout pas habiter, hein, si on fait de la radio. Oh la vache! Bon, ben désolé de ne pas pouvoir rester plus longtemps en QSO avec toi, Daniel. Merci pour les infos en SMS. Je t'envoie les bonnes 113-51. Profite bien de la propague de ton côté. Moi, je vais profiter des QRM du mien. Je suis trois coups. Les 73, merci pour ce petit QSO. Ok, Rémi, ben, écoute, là, j'ai des tablettes. Merci pour ce que tu as fait. Je pour toi. Voilà, donc oui. Je pense que ça va être un peu mieux là, non? Ok, oui, on peut continuer comme ça, là c'est bon, ça. Oui, là t'arrives à passer par-dessus. Bah ouais, parce que là tout à l'heure j'étais juste avec la puissance du poste et j'ai dit hop, quand tu m'as dit que t'étais là-bas dans les QRM et tout, là j'ai dit bah, je vais te la boîte à coucou et ça sera beaucoup mieux. Ah, il y a un multibip qui s'est fait entendre là derrière. Ouais, là ça va beaucoup mieux. Merci pour le Faliba. Putain, j'aimerais bien en acheter un second, mais là, avec les frais qu'on a eu là ces derniers temps, ça va pas être possible. Pourtant, à un moment donné, celui que j'avais dans le push, que j'ai branché au QRA, va falloir qu'il revienne dans le push parce que je vais bientôt en avoir besoin hein, là en mobile. Il y a quelques idées en tête, quelques trucs en préparation. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Ok, Rémi. Autant, je vais laisser un plan pour vous. La station derrière, là, QSL. Kilomètre 3306 au mobile, avec le kilomètre 33 sur le mobile. Le break en avant. Thank you.
Je me demande si c'est pas en AM ou en FM. Oui, bah oui, avec la propa qu'il y a en ce moment, là, tous les jours, c'est, ça arrive de partout et dans tous les modes. Hein. Eh bien, tiens, justement, à propos de propag, tout à l'heure sur le 19, oh, ça a été très furtif. Hein, j'ai attrapé quelqu'un, un OM du Nord, là, justement, sur le 19. Mais là, ça a été vraiment très court, et comme je suis en train de faire une vidéo en ce moment, bah, c'est dedans. Hein. Ah ouais, ça serait sympa ça. Ah oui, effectivement. Hein. Oui, parce que là, la vue comment c'est parti, on dirait que on dirait que c'est la propagaité qui est en train de s'installer. Quoi. Ouais, j'ai compris. Là, ça commence à être un peu plus petit à cause des QRM. Là, j'arrive, je suis pas loin de Mérignac Centre. Enfin, je suis en train d'arriver dans le centre de Mérignac même. Ben, enfin oui, parce que tout le monde est à l'arrêt de toute façon sur la rocade. Donc forcément, ça peut être que mieux. Ah, chier trois coups. Après, bon, ben c'est tous les feux et tout qu'il y a de ce côté-là, quoi. Dans Mérignac Centre, là, je vois pour après obliquer. Non, tout compte fait, je vais peut-être pas attraper directement les boulevards. Parce que si c'est le bordel sur la rocade, ça va être certainement le bordel sur les boulevards aussi. Je vais essayer de passer entre. C'est-à-dire que au niveau du cinéma là dans Mérignac, prendre à gauche et continuer par là en parallèle de ce côté-là, en parallèle de la rocade, jusqu'au pour essayer d'atteindre ben c'est quoi de jusqu'au lac. Je sais plus le nom, mais jusqu'au lac. Je vois, ouais, pour essayer de me faufiler de ce côté-là. Ok Daniel, le 13-51 à toi, 14 km, 33-01, et à la prochaine, merci. Okay, my friend.
impossible de... Enfin, moi, j'y comprends rien. One floor kilomètre. Putain, il faudrait un QRM Eliminator là ici. Ah oui, il faudrait mettre une seconde antenne avec. Pour le coup, je me retrouve avec une voiture hérissée. Hein. On entend les appels derrière, mais c'est noyé. Hein. De tous les côtés. Ah, Germanie. Oh. Il doit... Voilà, c'est bien ça. Qui dit Germanie, dit FM. Comme ça, dans cette vidéo, on aurait eu la propague dans tous les modes. C'est le bordel sur Bordeaux, et bien c'est comme ça. Bon, tout doucement, j'arrive à m'en sortir. C'est chiant ces bouchons, mais bon, d'un autre côté, ça permet de découvrir d'autres horizons.
Alors, j'ai même pas branché le GPS. Là, je m'oriente eh bien, par rapport à... il y en a qui vont rigoler, mais par rapport à la position du soleil. Le soleil, je sais vers où je vais. J'ai le soleil qui est... enfin, le soleil à travers les nuages qui est sur ma gauche. Donc, je suis dans la bonne direction. J'aurais mis le GPS qui m'aurait fait n'importe quoi. Là, comme ça, c'est plus fiable. Voilà, c'est ça. J'arrive à Bruges, depuis Mérignac, Bruges. Donc, en suivant, c'est... ah ouais, ça y est, ça me revient. Faut que j'attrape le Tasta, le lac. Ouais, ouais, ça va le faire. Bon, la pompagne est toujours là. Ah, Germanie. Voilà, le panneau, le Tasta, le lac. C'est bon, ça. Ah. Je suis où, là? Ah, c'est sur 555. Difficile à entendre, mais bon, on entend encore la propague derrière. Est-ce que j'en aurai encore tout à l'heure quand je vais arriver sur le pont d'Aquitaine? Ah, c'est une surprise, surprise! Oh là! C'est quoi ça? C'est des feux, c'est... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je tente le coup. Je tente le coup, j'ai changé d'avis de rejoindre la rocade. Bon, on dirait que c'est pas si. Ah si. Hey, zut. Être vif là pour passer. Oh, il est 18h, ça fait une heure que j'ai débauché et là j'ai vraiment pas fait grand chose comme distance. D'un autre côté, ça m'a permis de découvrir un petit peu d'autres routes. Ah, la propague a changé, là, c'est plus le... Oh, il y en a qui en profitent, c'est bon ça. T'as de l'autre côté aussi, c'est vachement bouché. En tout cas, les bouchons sur Bordeaux, ben voilà, c'est comme ça. S'il y en a qui sont jaloux, hein, ils peuvent venir nous rejoindre de ce côté-ci. Hein. Eh oui, quand la propaganda. Attention, Vega pour Dandy 33 qui t'appelle. Attention,
Ouais, Vega, je suis là, je suis encore. Ça fait plus d'une heure que j'ai débauché. Et là, je suis. J'ai pas encore atteint le pont d'Aquitaine. Laissez-moi passer. C'est le bordel sur les ondes. Et là, de ce côté-là, tant mieux, parce que la propague est là. Et c'est la fête. C'est la fête de tous les côtés, dans tous les modes. Et sur la route, eh bien, c'est pas la même fête. C'est le caca boutin sur la route. C'est au secours. Eh oui, vous vouliez de la propague, vous en avez. Ah mais ça, pour le fait qu'il y ait du monde, et encore plus avec la propague, moi ça me dérange pas. C'est vrai qu'il y en a qui se plaignent qu'il n'y a pas de propague, et après, qu'est-ce que tu vois, les mêmes personnes qui se plaignent encore que la propague est là. Bon, il y en a, voilà, on n'en dira pas plus. Par contre, côté circulation, je te confirme que les vacances sont finies, tout le monde est revenu. Bon, voilà, là j'ai amorcé la montée là, du pont d'Aquitaine. C'est là effectivement, hein, on voit bien que tout le monde a repris le boulot là. Waouh, je sais plus ce que c'était, hein, les bouchons là sur Bordeaux. Hein. Depuis le temps que je n'ai plus de ce côté-là, bon ben c'est comme ça, hein, de toute façon. Il n'y a qu'à faire avec. Ils n'ont pas de FM dans leur pays, ils n'ont pas de M dans leur pays, alors ils ont des appels sur la FM apparemment. Oui, affirmatif, oui, c'est ça, oui. C'est, t'as des pays comme l'Allemagne, ça, ou la réglementation, ouais, c'est la FM. Après, j'en sais pas plus, j'ai pas les infos sous les yeux. Il y en a d'autres aussi, hein, t'as des pays de l'Est aussi, hein, qui sont FM. T'en as qui sont même sur des fréquences à terminaison zéro. T'as de tout, hein. T'as un petit peu de tout là dans les réglementations. Alors je suis descendu tout à l'heure voir sur le canal 6 si j'entendais les USA, mais bon apparemment c'est vraiment pas de ce côté là, la propague est plus côté Europe du Nord, l'Est, j'ai entendu aussi les Italiens je crois, je sais plus, enfin ça tourne un peu tout autour là. Ok, c'est parti. Voilà, normalement je suis rendu. Ouais, je suis là. Ouais, voilà, ok. Bon, c'est bon, pour le moment c'est l'air d'être propre. Tout à l'heure, je suis Daniel, hein, en débauchant. Hein. À 17h, là, j'ai fait un petit peu le tour. Au début, j'ai eu une station très furtivement, le nord de France, là, sur le 19. Voilà, donc ça a été très très court. D'ailleurs, je suis en train de faire une vidéo, ça sera dessus, vers le début de la vidéo. Après, en suivant, je suis monté sur 555, le 12 sup. Donc là, j'ai eu Daniel, du coup, là, quand j'ai fait un QSY. Attends, je suis en train de me tâter le terrain pour voir comment ce que ça donne. Zut, je suis pas sur la bonne voie. Attends, deux secondes. Voilà, ok. Qu'est-ce que je fais? Je fais du grand n'importe quoi, moi. Mais si je suis sur la bonne voie, c'est que je sais pas faire deux choses en même temps. Achi. Voilà, je vais quasiment me retrouver. Non, c'est toujours bon, hein. J'ai vu quelqu'un freiner, je me suis dit, ben là aussi ça va merdoyer. Voilà, je suis sur la Poitelle pour attraper la rocade rive droite. Ok, ben tout à l'heure j'étais sur la 89 là parce que je suis allé à Libourne. J'ai lancé un appel en kilomètre et j'ai reçu un reçu une demande d'appel de la Belgique, alors pour te dire. Ah ben oui, tu m'étonnes, là c'est la propague est sur l'Europe là. Là oui, puis là c'est l'air d'être comme ça là tous les jours là maintenant. Là oui, je crois qu'on peut commencer à dire que la propagété commence à s'installer doucement. Comme quoi j'avais raison hier. Ouais mais bon tu sais, on est sûr de rien, hein. Ça aurait pu être une journée comme ça, tac. Oh putain, droit devant moi ça bouchait à nouveau. Waouh. Bon, que je prenne la bonne file directement. Voilà. Ok, ça c'est fait. Ah bah là, rocade. Ah,
Requête rive droite, ça merdoie aussi. Alors, je t'ai dit de passer 325 parce qu'il y avait une station qui était surmodulée qui était à l'étranger, alors... Ouais, je me demande si c'est pas l'Allemagne, justement. Je pense que si, je sais pas, je suppose que ça devait être l'Allemagne, ou dans les environs. Alors, l'aiguille est sympa, là, je te le dis, hein. Ah, tu m'étonnes, elle fait sa gymnastique. Ah, chie. Attends, j'ai du mal à t'entendre. Passe la même fréquence en uniforme Sierra Bravo. Je pense que ça devrait aller mieux. En uniforme Sierra Bravo, toujours sur la même fréquence. Ok. Ah voilà, au moins comme ça, ça avec la propague et tout, là on devrait, j'espère, on devrait pouvoir passer par-dessus. Bon voilà, je suis en train d'arriver au niveau des stations totales. Voilà, je suis en train de passer entre les deux. Ok, bon si ça va, ça repart. J'aurais pu, comment il me la joue devant. D'accord, ok. Voilà, d'accord. On fait comme ça. Ben, moi, ça me va aussi, c'est bon. Voilà, je suis sur la sortie de la station totale pour attraper la sortie 26. Ok, station totale, j'ai bien entendu. C'est en bas du pont, quoi. Ah ben, un peu plus qu'en bas du pont, puisque... Je suis sur la rocade rive droite et j'arrive là, j'ai la sortie 26 à droite devant moi. Ah, je croyais que c'était à Bordeaux. Ah ben j'ai roulé un petit peu depuis. Mais non, mais comme tous les soirs c'est le bazar sur la rocade, j'ai dit bon, mais il doit rouler ou pas quoi. Attends, j'ai un abruti là qui est en train de nous faire un impair. Voilà, le mec il est content parce qu'il a une grosse voiture, donc de suite ça y est, il faut passer devant tout le monde. Comme je ne savais pas à quelle heure tu sortais, c'est pour ça. Je me suis mis en fréquence, j'ai dit peut-être que je vais le choper à la débauche. Ah bah oui, et puis là, là t'en fais jackpot, là, pour le coup. Puisque, avec les bouchons, ah bah dès que j'ai passé au-dessus de la rocade, là, on s'est retrouvés tous à l'arrêt. Ah bah c'est une nana qui a fait un impair comme ça à tout le monde, qui est partie du principe que madame, faut pas la faire attendre. Comme quoi, mec ou nana, c'est du pari ou même sur la route aujourd'hui. Ça n'a pas été trop dur là où tu étais aujourd'hui là? Parce que c'est là où on l'a pas. Ah ben si, j'étais à l'entrée. Voilà, alors oui, il y a plusieurs fréquences d'appel. Si tu regardes sur le forum, alors sur le forum, c'est dans la rubrique générale. Voilà, c'est ça. Sur le forum, tu vas dans la première rubrique, là, la rubrique générale, et là tu vas tomber sur la liste des fréquences d'appel, t'as tout ça. Ouais, il en manque peut-être quelques-unes, mais c'est déjà pas mal, hein, vu tout ce qu'il y a. J'irai voir parce que je voudrais y aller aussi pour voir un web NDR, mais j'arrive pas, mais je ne trouve pas, c'est quoi, j'ai plusieurs liens, mais je ne trouve pas. Attends, excuse-moi, là, j'ai un peu de bruit, en plus ça, c'est mal passé de mon côté. Je disais que je vais aller voir sur le forum, parce que je voudrais aller voir sur WebSDR, et je ne le trouve pas. Ah oui, tu as sur le forum, tu as le WebSDR, soit sur le portail du forum, ou alors dans le menu horizontal du forum, là où tu as marqué connexion et tout ce qui s'ensuit, là. Là, tu l'as des deux côtés. Ok, je vais voir. Et pour la liste des kilomètres, tu as dit aussi? Ah oui, la liste des kilomètres, tu descends dans la rubrique, tu vas sur administratif, fédération, association, tout ça. Là, tu vas trouver une sous-rubrique qui s'appelle kilomètres, tout simplement. Et tu as toutes les infos dedans.
Ok, ben justement, Daniel hier, enfin la minute même, je sais pas, mais je sais que là, hier par exemple, il a farfouillé un peu partout sur le forum, il s'est bien amusé. Ah, l'Allemagne qui nous lance un break. Je suis même pas sûr que ce soit l'Allemagne, je sais pas, j'arrive pas à reconnaître. Ah, pour un kilo mic, affirmatif, 73 de 1, 4 kilo mic, 3, 3, 0, 1. 14 km, 33, 0, 1, Rémi, Dandy 33 en mobile sur le sud-ouest France. Décidément, là, il me chatouille. Il me chatouille, il me gratouille. C'est... ouais, je crois que... Demain, non, ben, ça dépend s'il y a de la propague. Pourtant, j'aimerais bien acheter un second Alpha Lima là, que je puisse le mettre là, dans le push. Là, que je puisse rapatrier l'autre dans le push et en mettre un autre cuira. Ça me tente bien, mais dernièrement, les Grecs ont eu un souci là, sur son push avec la vanne EGR. Ah, puis alors là, tu prends une baffe. Je sais plus, 360 € un truc comme ça. Là, je me suis dit, merde, j'ai vu l'Alpha Lima que je voulais, toi avec les ailes sur les côtés et puis s'envoler, quoi. Oui, j'ai regardé les prix, moi, ça va déjà plus vite, hein. Ouais. Là, puis l'Alpha Lima que j'ai repéré, là, j'en ai vu un, là, chez CRT, un de fixe, donc à 230 volts, mais pas à lampe, à transistor. Tu l'allumes, tu l'utilises de suite. C'est à lampe, ça me fait chier, il faut que tu attendes que ça préchauffe et tout, ceci, cela, la lampe a une durée de vie, patate pour fin, ainsi de suite. Alors qu'à transistor, tu l'allumes, tu l'utilises direct. Donc t'as pas ces emmerdements là. Et j'en ai vu un spécialement pour le fixe. Mais là, putain la vache, il est à 600 et quelques euros. Là. Putain la vache! J'ai pas le budget. Oh la vache, là non. Je suis en train de te perdre, Rémi. Si tu m'entends toujours, je te souhaite une bonne soirée et on va s'en parler de ça plus tard. Ok, ça marche. C'est vrai qu'en plus, j'ai du bruit là derrière. Il y a vachement de bruit derrière. Tu passes toujours aussi bien de mon côté. Les 73-51, toi, merci pour ce petit QSO. À la prochaine. Ok, ça marche, bye. Bon, voyons un peu. Hello, Tiku, hello, Tiku, we are German Station, 1C Tango Whiskey 117. German Station, 1C Tango Whiskey 117. Tiku, Tiku, and steady white. Il y a pas mal de bruit de. Ouais, de bruit de propague derrière, mais moins de stations. Ah. Ah ben là je reconnais, c'est l'Allemagne. Un accent comme ça. Ah,
Vous voyez, l'avantage avec la CB, c'est qu'il n'y a besoin de rien d'autre comme matériel. On a tous les modes dessus. Il n'y a pas plus complet. Ouais. On a tout en un. Putain, mais ils sont très loin de moi là. Ah, mais c'est ça. Et il m'a dit, ouais, et puis en plus, je te mets une voiture pilote, c'est juste pour faire un beau et tout. Là. Et un cassine comme ça. Putain, la vache. Ouais, il passe avec moi du bon, mais donc, c'est grave. Vous auriez gagné avant le pont et tu passes le pont. Ah ouais, bah, c'est sûr que de se faire avant le pont et de perdre une heure ou deux heures, je passe pas du monde, je vais gagner longtemps. Ah non, ils sont pas si bons que ça. Bon, bah, il me dit, ouais, bon, ben, ouais, ben, validé, on verra demain. Donc là, on va vider la machine. On va vider la machine. Que je viens d'avoir tiré, il arrive sur le chantier, donc on va vider la machine et puis on rentre. On n'arrivera pas à les avoir là, à les entendre. Alors là, c'est la cour de récréation là, aux États-Unis. Mais vraiment. Ouais. Ils arrivent droit sur nous. Ouais, je crois pas en Libourne, mais je dis c'est bon, on attend, on est en tranquille par Libourne, mais j'arrive même à faire engueuler quoi. Je lui dis, la prochaine fois, mon gars, je pense qu'on va dormir du plein porte l'air, tu vas pouvoir engueuler P105, P86, c'est ce que tu veux, je descends. Il le faut ou quoi? De quoi? Il est ou quoi? Attention, station fréquence pour Dindé 33 qui l'on s'appelle en mobile depuis le département 33 Libourne. Putain, ouais, c'est pareil. J'étais en train d'écouter un petit peu à droite, à gauche. L'Allemagne qui passe plein pont FM et tout ça. Voilà, je suis sur la boutette de sortie, là, à Libourne. La direction, ben, là où il y a Citroën, où il y a tout ça. Ça a dû monter sur une colline parce que le sortir plus. Oui, c'est normal. C'est quand je suis passé sur le pont là, de la Dordogne à Libourne, là, sur la rocade de Libourne. Voilà, c'est quand, à chaque fois, là, bien souvent, quand je passe sur le pont, j'envoie un petit bonjour ou je passe un appel. J'entends plus que le bip. Faut que tu te mettes en fixe. J'y vais, Hachi. Ah,
Ça fait 1h40 que j'ai débauché, je suis pas encore rendu. Plus très loin, mais pas encore. Allez, encore une bonne quinzaine de kilomètres. Alpha Tango 397, Alpha 6.